Eh bien salut à tous les amis, Cédric Ciz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui nous sommes en gendarmerie nationale. Je vous avais fait un petit sondage hier dans la journée pour vous demander en gros ce que vous voudriez comme vidéo pour aujourd'hui. Et du coup le commentaire qui a eu le plus de likes c'était Psyg. Du coup bah aujourd'hui on se retrouve pour Psyg alors que la dernière vidéo on était déjà en... Eh bien en Psyg, j'avais dit Psyg ou Pays de G. Sauf qu'aujourd'hui on est en Psyg et là j'ai un collègue qui est venu en renfort, je sais pas du tout pourquoi il est là. Et du coup avant de commencer cette vidéo les gars, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vraiment n'oubliez pas de vous abonner car c'est très très important. On approche de plus en plus des 100 000 abonnés, ça se rapproche à grands pas. Et aussi, rejoignez-moi sur Instagram, on vient de dépasser les 5000. Si on pouvait faire les 6000 avant la fin du mois de décembre, franchement ce serait monstrueux. Vraiment les gars, venez en masse, je compte sur vous, vraiment c'est en description. Venez sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat, vraiment les gars, je compte sur vous. Du coup, on va... Et aussi oui, j'ai mis une nouvelle photo sur Insta. Donc si vous voulez me voir... sous une nouvelle photo, sous un nouvel angle, je vous invite à aller me suivre. Du coup, aujourd'hui, petit Peugeot Expert 2012 avec lequel nous allons patrouiller. Donc, niveau de finition, franchement, excellent. Donc, un véhicule de Charlico, un converti par Skyrix, une rampe de Créateur 2018, texture de Troy Lee 25. Du coup, là, j'ai dit tous les crédits, tenue de Charivari, il me semble. Ouais, tenue de Charivari, C3 de... Eh bien, jeune de Jack, il me semble. Ok, du coup, le collègue, là, je vais lui dire de dégager, tout simplement. Ok, nickel, tu peux y aller, merci. Je sais pas du tout pourquoi il était là. Hein. J'ai dû faire une fausse manip. Hop, du coup, nous, on va directement prendre notre... notre service. Hop, là, donc, regardez, les gyros, ça donne ça. C'est pas la première fois que j'utilise ce véhicule-là, mais c'est la première fois que je l'utilise bien... Oula. Que je l'utilise avec ce... Comment dire, avec cette texture là, donc avec ce mode, ces zébras là. Ok, officer, hit, panic button, chumash. Ok, je connais cette intervention là, on ne va pas l'accepter. L'intérieur, oh l'intérieur est fait, c'est magnifique. Ok, hop là, petite vue FPS. Donc comme hier et avant-hier, hein, les gars, il a neigé. Donc je vous explique pas comment la neige tombe du ciel. Hein. Hop là, attention. On va aller à droite. Ok, du coup, ouais, donc il a neigé, du coup c'est pas mal chaotique, là il y a de la neige un peu partout, ça glisse, on risque de tomber face à quelques accidents de voitures qui sont manifestement partis dans le fossé. Du coup on verra bien ce que cette journée nous réserve. Et on a un camping illégal, apparemment. Waouh, on va pas prendre l'intervention les gars parce que c'est clairement à l'autre bout du monde et notre véhicule n'est absolument pas adapté pour aller dans ce genre d'endroit. Déjà qu'il n'est pas forcément adapté pour aller pour rouler dans telles conditions. J'espère qu'on va pas s'embourber parce que sinon ça va être une vraie galère. Ok, du coup il est midi 6, nous sommes le samedi 30 novembre 2018 pour cette petite patrouille en Psyg gendarmerie nationale réalisée par Drixis. Voilà, ok, déjà là lui, ok, monsieur là qui grille directement. Ah, je peux pas faire de contrôle de véhicule, mais non c'est une blague. Ok, bon, ok, arson. Waouh les gars, on a un feu criminel apparemment. Ok, on va s'engager. Petit deux-tons gendarmerie aussi. Ok, apparemment on aurait un incendie criminel là-bas. On va essayer de se dépêcher. Je vois déjà, il y a deux FPT. Il y a les SP qui sont engagés. Ok, d'accord, bon. Hop là. On va mettre le véhicule de gendarmerie juste derrière le fourgon. Ouh. Oula, j'étais pas prêt là par contre. Ça m'a un petit peu surpris, je vous l'avoue. Waouh, ok. Waouh, ok, il y a un pompier blessé déjà. Ok, du coup, je vais voir avec le chef DSP. Salut, officier. Salut. He saw a car. Ok, model. Underplate start with 28 EA. Ok, d'accord. Bon, du coup, on vient d'avoir un hélicoptère qui vient d'être dispatché. Et on doit récupérer le. Enfin, on doit tenter de trouver le véhicule. Ok, on a deux nouveaux engins SP qui se présentent sur place. Les nouveaux VSAV qui sont été attribués au S10. Ainsi que les FPT. Attention. Ok, du coup, les gars, là, on recherche un véhicule avec l'immatriculation qui commencerait par 28. Du coup, j'ai pas vu la couleur. Ça, c'est un peu dommage. Je vais rester en patrouille sur le secteur pour essayer de localiser le véhicule. Mais là, le problème, c'est que je ne vois absolument aucun véhicule.
On va essayer de voir si lui il aurait pas un rapport ou un lien plus ou moins écarté. Ok, bon, c'est pas lui. Du coup, le véhicule. Waouh, 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 la galère pour le retrouver. Je vous explique même pas. Ok, là-bas on a deux véhicules. C'est peut-être celui qui est parti à gauche. Là, il m'a l'air un petit peu atypique. Ok, il y a les SP qui courent. Ok, je pense que ça doit être lui. Il y a des chances. Vu comment il roule, monsieur, il a certainement quelque chose à se reprocher. Ok, alors. On va essayer de se rapprocher. Ouais, il a une conduite assez bizarre, assez sportive quand même, hein. Ok, bon. Là, 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 là. Ok, le pompier, en fait, il essaie de me courir après. Ok, nickel. Bon, j'ai localisé le suspect. Très bien. On s'engage sur la poursuite. Allez, attention. Attention. Ok, donc c'est bel et bien ce véhicule-là. Arrêtez-vous, monsieur. Ouh, ça pète encore, ça pète encore. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ok, oh là là, c'est un malade. Ok, monsieur, il va dans la station service directement, là. Ok. Monsieur, on bouge plus. Arrêtez-vous, gendarmerie nationale. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ok, descendez du véhicule tout de suite. Les mains en évidence et couchez-vous au sol. Immédiatement, couchez-vous au sol. Tout de suite. Gardez les mains bien en évidence. Ok, les gars. Ok, nickel, le suspect est appréhendé. Ok, parfait, on a les SP qui viennent à notre secours. Enfin, à notre secours. Ok. Salut, collègue. Ok, bah, tu me redonnes de la vie ou... Ouais, bah, je sais qu'il est fou, hein. Ok, nickel, merci. Allez, je vais récupérer monsieur. Le feu, il est maîtrisé, ça en est où? Ok, bon, apparemment, il y aurait eu deux SP qui seraient de Delta Charlie Delta durant cette intervention. C'est un... C'est une... un triste... comment dire, son véhicule, il est déjà évacué. Moi, je suis en train de me dire qu'on bloque la circulation. Mais bon, on est face à quelqu'un qui a causé la mort de deux sapeurs-pompiers durant un incendie criminel. Et c'est un triste bilan quand même, là. Hein. Je vous l'avouerai que c'est assez chaud. Ok, du coup, sans mauvais jeu de mots avec le feu, les pompiers et tout, que c'est assez chaud, hein, et pep, on est grand. Ok, du coup, hop, là, monsieur, je sais pas si je peux le mettre dans mon véhicule. J'ai peur de faire n'importe quoi en essayant. Du coup, vous savez quoi? Je vais appeler un véhicule. Donc là, clairement, les gars, on était dans une intervention du PSIG, hein. Comment ça s'appelle déjà, les mecs qui foutent le feu, là? Un pyromane qui tentait de prendre la fuite en véhicule. Ok, on va mettre ici. Hop là, par contre, Civilian Requesting Assistance, c'est pas forcément une mission d'urgence. Salut, collègue. Alors, un individu qui a foutu le feu à la station service ici, deux sapeurs-pompiers Delta Charlie Delta, tentative de. Enfin, refus d'obtempérer. Du coup, voilà, interpellation musclée. Hein. Hop, on va faire venir les petits coronaires quand même, parce qu'on a quand même deux cordes de sapeurs-pompiers sur les bras. Une petite dépanneuse pour ce véhicule. Ok, nickel. Ensuite, on n'a rien d'autre dans la zone. Ça marche. Ok, bon bah du coup, nous on va quitter la zone. Et on est de nouveau disponible. Hop là. Allez. Hop, on coupe les bleus. Et du coup, retour en patrouille pour nous. Donc, nickel. On a une première intervention terminée. Donc, toujours les mêmes véhicules que la dernière fois qui sont à disposition de notre gendarmerie. Donc, c'est-à-dire deux C4. Par contre, pas deux C4, mais des C4 gendarmerie avec un gyro rotatif. Ainsi que des Peugeot Partner avec les nouveaux Peugeot Partner avec les zébras rouges et jaunes. Et la rampe, toujours la même rampe. Ok, du coup. C'est une rampe Vega. Ok, alors du coup, où est-ce qu'on va aller? Je ne sais pas du tout. Poursuite in progress. Eh ben, on va aller ici, tout simplement. Allez. On va essayer de se rapprocher. Ouh là là, les gars, attendez. Pourquoi il y a un hélicoptère, là? Oh, c'est quoi ce bordel? Allez. Attention. Oh là 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 là, les gars, c'est quoi ce délire, là? Pourquoi on a un hélicoptère? Arrêtez-vous. Oh, punaise. Oh là là, le suspect, il est passé de très très peu, là. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que fout un hélicoptère ici, là? Un hélicoptère qui me semble armé, en plus. Ok, je bloque le véhicule avec mon véhicule à moi. C'est parti. Descendez du véhicule tout de suite, gendarmerie, les mains en évidence. Ne faites aucun geste brusque, couchez-vous. Allongez-vous, monsieur. Gardez bien les mains en évidence. Et allongez-vous tout doucement. Ok, nickel.
Ok, parfait. Bon, qui est ce monsieur? Je n'en ai aucune idée. On a des véhicules de gendarmerie banalisés qui sont là. Du coup, je vais juste, moi, dégager la circulation. Hop là. Nickel. Je, par contre, je sais pas du tout ce que branle un hélicoptère de combat ici, les gars. Vraiment, c'est un putain de gros mystère. Hop là. Désolé pour les gros mots, hein. Ok, pour la comète, nickel. Je vais aussi faire évacuer l'hélicoptère si c'est faisable. Ok, bon, nickel, je pense que c'est bon. Ensuite, monsieur, hop, un petit pet de check, histoire de savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Ok, ensuite, une petite fouille au corps pour savoir si monsieur n'est pas armé. Donc, John Trevins, pardon. Ok, très bien. Bon, du coup, je sais pas du tout pourquoi il a fait un refus d'obtempérer. Apparemment, c'était déjà une poursuite qui était en cours. Nous, on s'est juste greffé avec les collègues. Et du coup, voilà, on va pas chercher plus loin. On va appeler des collègues pour évacuer le suspect. Et moi, ce que je me demande, c'est comment on va faire pour évacuer cet hélicoptère de la circulation. Étant donné que je ne pense pas qu'il y ait de moyens suffisamment adaptés. Bon, de toute manière, les collègues, ils verront ça. Il y a toujours la banalisée qui est là. Nous, on quitte la zone. Et du coup, c'est nickel pour nous, les gars. On retourne en patrouille. Officier, need transport. Ah, je suis désolé. Par contre, je vais pas pouvoir prendre l'intervention. Même, dans tous les cas, je ne l'aurais pas prise. Étant donné qu'on est le PSIG. On est le peloton de sécurisation et d'intervention de la gendarmerie nationale. On n'est pas... le service courant, quoi, faire les petites patrouilles à droite à gauche. Non, nous on est vraiment une brigade d'élite, si je peux me permettre. On est juste en dessous le GIGN, en fait. Du coup, voilà pourquoi je me permets de refuser quelques interventions que je ne trouve pas suffisamment à la hauteur pour nous envoyer, alors que pourrait y avoir au même moment une intervention beaucoup plus grave. Oh, c'est pas du tout une route ici. Kidnapping à Rancho. Alors, je l'aurais bien fait, seulement Rancho, c'est absolument pas sur notre juridiction, et en plus, c'est en plein Los Santos. On aurait un certain nombre de kilomètres à faire, ça aurait été assez compliqué. Attention, ok, nickel. Allez, du coup, on s'engage direction par là-bas, et puis voilà. Oh, suicide attempt. Ok, très bien, on a un suicide. Apparemment, une personne qui menacerait de mettre fin à sa vie. Ok, allez, on va tout de suite aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a déjà les secours? Ok, j'ai déjà les secours qui sont engagés. Parfait. Allez, donc apparemment, je vois qu'il y aurait un VSAV. Là-bas, avec un FPT, deux véhicules. Ah, les Peugeot partenaires. Ah, vous les verrez. Allez, attention. On va essayer de se faufiler tranquillement. Sans cartonner tous les collègues. Ok, parfait. Alors, où est la victime? Enfin, la victime. La personne qui menace. Ok, d'accord. Allez, je vais aller voir le commandant. Ok, la personne est là-haut. Enfin, la commandante plutôt. Hein. Ok. Bonjour. Ok, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc je dois... you need to find a way to reach up. Try to... Ok, donc il faut le persuader de ne pas se suicider. Ok, très bien, bonne chance. Eh bien, merci. C'est vachement sympa de votre part. Comment est-ce que je dois m'y prendre? Les gars, alors attendez. Est-ce que je dois faire quelque chose de précis là ou je dois... madame, je dois... Enfin, commandant, je dois faire quelque chose de précis. Alors les gars, elle m'a juste dit de le persuader de ne pas se suicider. Bon, on va monter voir ce que l'on peut faire pour monsieur. Monsieur, ne sautez pas, c'est la gendarmerie nationale. On est là pour vous aider. Ok, bon, il y a toujours le VSAV qui est prêt, de toute manière. Si jamais la personne décide de se jeter malgré tous nos efforts, eh bien, on a toujours un moyen de secours qui est engagé. Il y a un FPT aussi. Ok, du coup, on va y aller tranquillement parce que j'ai pas envie de tomber. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok, je vous promets de... Ok, you'll get better. Vous valez mieux que ça. Ok, donc monsieur, je vais lui promettre qu'on peut trouver une voie pour que ça aille mieux. Ok. Ok, monsieur. I can't see any way out. Ok, je ne vois aucune autre voie. Ok, you need to come down with me and talk here. You told us useless. Ok, on va lui redire le numéro 1. Donc en gros, il peut parler avec moi. Je suis là pour l'aider, etc.
Ok. No, I want to stay here. Je veux rester ici. Ok, très bien, monsieur. Pas de souci, on va pas essayer de l'offenser. Je veux vous aider. Dis-moi que comment je peux faire. Vous êtes un vrai psychopathe. Your family is with you. Ok, on va pas parler de famille. On va pas aborder le sujet de la famille parce que je sais pas du tout pourquoi il est là. There's nothing you can do. Vous ne pouvez rien faire. Ok, très bien. Bon. Oh punaise, il vient de sauter. L'individu a sauté. Oh là 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 là. Punaise. Oh punaise. L'individu vient de sauter. Oh le bordel. Ok, bon. Ça va être pris en charge par les SP de toute manière. Ok, bon, monsieur était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très déterminé à se suicider. Du coup, on a vraiment rien pu faire. Qu'est-ce qu'il fait là? On a vraiment, vraiment. Eh, mais, eh, oh! On a vraiment, vraiment rien pu faire. Du coup, hop, là, pourquoi il se tire dessus là-bas? Ok, d'accord. D'accord, bon. On va laisser les collègues faire ce petit job. Ok, bon. On a un engin qui va se présenter normalement aussi. You did all you could. Ok. Ok, d'accord, bon. Ok, bon, nickel. Wow, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ok, attention, les gars, attention. Ok, tous les moyens sont en train de se désengager. Il y a toujours ma victime qui est au sol. Hein. Eux, j'ai l'impression qu'ils s'en branlent. Ils ont tous lâché l'affaire. Hop, là, il y a un VSAV qui est engagé, qui se présente ici, d'ailleurs. Il est là. Ok, bon. Le gros boxon avec les collègues là-bas. Oh là là, mais il y a des coups de feu, il y a des coups de feu. C'est quoi qui tire là? Oh là là, les gars, le délire avec tous les véhicules là qui bloquent la circulation. Eh, mais les gars, c'est pas du tout pour lui que vous êtes contacté là. Oh, du grand n'importe quoi. Ok, vous savez quoi? On va y faire évacuer tout ça là. Toute la cavalerie là, tout ça, ça va partir avec des dépanneuses. Hop là. Ouais, je vais faire évacuer le véhicule de gendarmerie. Ensuite, celui-ci. Ok. Yes. Ensuite. Celui-ci. Ah là, je fais partir tous les véhicules. Ok, ouais, je veux. Ensuite, celui-ci. Le petit Peugeot Partner. Ok. Ah merde, par contre, s'il commence à monter dans les véhicules, ça ne va pas du tout le faire. Ok. Oh mais les gars, sérieux, montez pas dans les véhicules. Oh là là, ils montent dans les véhicules. Comment tu veux que après ça se fasse évacuer bien comme il faut? Il y a du monde dans le VSAV. Ok, bon, allez, on va laisser tout ça ici. Hop là. Pourquoi le VSAV il est là? Ok, bon. Ok, le VSAV est ici. C'est en train de prendre en charge des victimes. Hop, je vais décaler un petit peu ça. Hop, nickel. Ok, là-bas, il y a un gros, gros, gros bouchon. C'est absolument pas à moi de faire ce genre de mission, normalement, mais bon, on le fait quand même. Ok, nickel. Ça prend en charge des victimes ici. Ok, parfait, du coup. Ok, tout ça, c'est en train d'être embarqué. Le VSA... Oh, aïe, 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 les gars, attention. Oh là. Ok, bon. Ok, la C4 elle part, nickel, ça décampe. Ensuite, ce qu'il me faut, moi, c'est évacuer cette C4 là de gendarmerie ou alors la mettre avec les autres véhicules. On va la mettre avec mon véhicule là-bas, cette petite C4. Ok, d'accord, donc il y a eu 4 décédés, 4, une personne sauvée. Ok, donc je vais faire venir les coroners immédiatement. Ok, d'accord. Oh là là, les gars, c'est un délire, c'est un gros bordel, je vous jure, c'est un bordel. Il y a un VSAV ici. Ok. Là, hop là, nickel. La dépanneuse ici, là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Allez là, va sur le bas-côté, dépanneuse. Wow, j'ai failli mourir. Ok, allez. Hop là, tout ça, ça circule. Parfait, ok, du coup nous on va retourner avec notre véhicule là. L'intervention est en train de se finir bien comme il faut. Nickel, et bien parfait, hein, c'est nickel. Nous les gars, on va quitter la zone. Le véhicule de gendarmerie qui reste ici va finir de gérer l'intervention. Et nous, ben, fin d'intervention pour nous, retour en patrouille. Hop là. Et puis c'est nickel, hein, j'ai rien à rajouter, c'est assez cool. Ok, du coup, hop.
Et je suis désolé les gars, cette vidéo sortira probablement un petit peu tard, car à l'heure actuelle, quand je la tourne, il est, on est samedi déjà, je la tourne le jour même, sauf qu'il est minuit. Du coup, voilà, je m'excuse un petit peu pour le temps que ça prendra pour sortir. Ouais, il est 23h40, je viens de rentrer d'un resto chinois, ouais, je vous raconte un peu ma life, mais bon, j'arrête de me cacher, c'est bon, c'est officiel, non, je rigole. Non, du coup, voilà, et du coup, on est de retour pour une nouvelle patrouille. Ok, on a une public disturbance apparemment. Allez, prenons l'intervention, allons voir ce qui se passe. On va pas mettre les bleus, ça sert à rien. Parce qu'on aura de tous les cas le petit truc en bas qui va remove, mais ça n'a absolument aucun rapport. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait apparemment? Ok, bon. Ok, d'accord, on va parler avec madame du coup. Qu'est-ce qui se passe là? Madame, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok, très bien. Madame, bonjour. C'est la gendarmerie nationale, madame. Ça va? Tout va bien? Ok. Est-ce que vous avez bu, madame? Ok, bon, je vois pas du tout ses réponses, étant donné qu'il y a ça. Allez, madame, retournez-vous. On va procéder à une petite palpation de sécurité, puis on va partir à la gendarmerie tranquillement, hein? Vous êtes sans vêtements là. Et du coup les gars, cette vidéo va pas tarder à s'arrêter, parce qu'il faut pas qu'elle soit trop lourde, parce que sinon ça va me prendre un temps fou pour l'upload. Ok, nickel, police stick. Ok, allez madame, vous allez prendre un taxi et vous allez rentrer chez vous. Allez, un taxi va arriver. Allez, parfait. Hop là. Et du coup nous les gars, on va directement quitter la zone d'intervention. Nickel. Et on va se quitter pour cette vidéo. Malheureusement elle est un petit peu plus courte. Peut-être que demain ce sera un peu plus long, je ne sais pas encore, on verra. Et du coup on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube les gars. C'était Drixiz. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne YouTube. Vraiment c'est très très important. Et ciao, bye bye.